Match le plus attendu de la semaine, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du PSG pour le premier match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au bout des 90 minutes, c'est le PSG qui s'est imposé sur le score de 1-0 et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief de ce match. Pour moi, les clés de ce match, ça a été la possession et le pressing de la balle. On voit que du côté du PSG, ça a été un pressing très intense que l'équipe a mis en place pendant tout le match. À la perte du ballon, la balle était récupérée très vite grâce à un pressing exercé très haut sur le terrain et donc ça a permis d'éviter d'avoir une présence trop importante du Real Madrid devant les cages du PSG. On sait qu'au PSG, c'est pas forcément leur point fort, leur repli défensif, notamment avec Mbappé et Messi qui ne défendent très rarement. Donc cette récupération rapide a permis d'éviter ça et donc d'éviter un surplus offensif du côté du Real et une défense parisienne complètement débordée. Autre point positif pour le match du PSG, pour moi ça a été le mouvement collectif de l'équipe. On sait que le PSG ces derniers temps c'était compliqué au niveau du jeu collectif, au niveau du mouvement collectif. J'ai reproché aux attaquants d'être trop statiques et c'était une de mes plus grandes craintes d'ailleurs pour ce match là et au final on voit que ça a été plutôt bien géré sur ce match là. On avait Mbappé qui bien sûr avec sa vitesse réussit à casser les lignes et réussit à créer une solution pour le porteur de balle, mais c'était pas le seul à le faire et je trouve que collectivement le PSG a très bien joué pour ce match là. Ça a été l'équipe la plus dangereuse, on le voit dans les statistiques. Oui, vraiment le PSG a vraiment bien joué collectivement, a réussi très vite à casser les lignes défensives du Real, à se créer des occasions. Ce mouvement combiné à la récupération haute de la balle leur a permis d'être présent très vite devant le but. On voit à la heatmap d'ailleurs que c'est le PSG qui était très souvent devant le but et qui est resté très souvent devant le but. Malheureusement, le seul point négatif que j'aurais pour le PSG sur ce match là, c'est le manque d'efficacité devant le but, parce que 17 tirs cadrés c'est très bien, c'est un très bon score, mais au final pour un seul but et il y a eu beaucoup de ratés, notamment un penalty. Donc voilà, pour moi le point à améliorer pour le match retour c'est vraiment cette efficacité devant le but, parce que sinon au niveau du jeu collectif, au niveau de la construction du jeu, au niveau de voilà de tout cela, c'était très bien, c'était presque parfait. Donc pour moi le PSG a vraiment déroulé son jeu, on a retrouvé le PSG des grands jours, donc pour moi c'est vraiment très positif et ça promet de belles choses si le PSG continue à jouer comme ça, notamment lors du match retour. Dernier point que je voulais évoquer, bien entendu, c'est Mbappé qui, encore une fois, est le joueur qui je ne dirais pas sauve dans le sens où il y a un match retour, mais qui délivre le PSG en marquant ce but à la toute fin. Mbappé, si on en doute encore, c'est un joueur fabuleux à regarder jouer, à avoir dans son équipe. Face au Real, il a encore combiné vitesse, gestes techniques, but. Donc c'est vraiment un joueur, je suis contente qu'il soit français, le PSG doit être content de l'avoir et j'aimerais pour lui, pour l'équipe, qu'il reste au PSG. Ça serait très beau de le voir continuer en France. Donc vraiment Mbappé, c'est un match excellent qu'il fait aussi. Autre joueur que je voulais un peu distinguer, c'est Verratti qui encore une fois au milieu de terrain a été très bon. Donc voilà, pour moi c'est un peu les deux joueurs que je retiendrai de ce match là. Pour conclure le match du PSG, ça a été un très bon PSG qu'on a vu ce soir, aidé par le jeu mis en place par le Real Madrid, mais c'est une bonne dynamique à avoir. J'espère qu'ils continueront à jouer comme ça et à mettre autant d'intensité dans leur match, parce que c'est ce qu'on aime voir. Neymar a pu reprendre le match, a pu jouer 20 minutes. Ça n'a pas été 20 minutes excellentes, mais ça a été de très bonnes minutes pour lui, qui pourra revenir, qui pourra offrir une arme offensive de plus au PSG. J'espère que l'équipe réussira à s'appuyer sur cette dynamique pour aller plus loin dans la compétition, pour gagner le match retour, même en Ligue 1. Appliquer cette pression en Ligue 1, ça fera des ravages. Donc j'espère vraiment que cette équipe continuera sur cette lancée. Du côté du Real Madrid,
C'est une équipe que j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître. Le plan de jeu, c'est un plan de jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avec une équipe qui a joué très défensivement, on le voit sur la position des joueurs et sur la heatmap. C'est une équipe qui a décidé de jouer totalement en défense, qui a décidé de subir le jeu. On le voit à la possession, au nombre de tirs, cadrés réalisés par l'équipe, au nombre de balles touchées aussi par Benzema. Donc oui, c'est très incompréhensible et très bizarre de voir une équipe jouer, une équipe du Real jouer comme cela, parce que c'est le Real Madrid quand même, c'est une grande équipe. On aurait pu s'attendre à ce plan de jeu pour une équipe qui peut-être avait moins d'ambition et moins de chances de gagner, mais le Real a vraiment joué bizarrement pour ce match-là. On voit que Benzema a touché très peu de ballons, a été invisible tout le long du match. On voit qu'au niveau de la défense, ça a plutôt bien tenu, parce qu'au final, ils finissent qu'avec un but encaissé, avec la possession de balle qu'avait le PSG, avec les statistiques du PSG, c'est un très bon score. Donc on voit que la défense, c'est solide, même si sur son côté, Carvajal a eu beaucoup de mal à contenir Mbappé, ça a plutôt bien tenu. Mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible. L'homme du match du côté du Real, c'est forcément Thibaut Courtois, qui a arrêté un penalty, qui a fait beaucoup beaucoup d'arrêts, qui les a limités à un score de 1-0 et qui leur permet d'espérer quelque chose pour le match retour. Tout simplement, je ne sais pas trop comment analyser cette équipe du Real, parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir jouer comme cela. Je pense tout simplement que comme le but à l'extérieur ne compte plus, ils avaient l'intention de viser le 0-0 pour le match à l'extérieur et tout miser sur un match à domicile avec leur public. Mais il faut se méfier des jeux comme ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer pour le match retour à l'extérieur. On a vu l'année dernière que le PSG à l'extérieur pouvait plutôt très bien jouer. Donc voilà, il faut se méfier. Et contrairement à ce que j'en attendais, c'est vrai que le Real, pour le coup, ça a été eux qui ont été très statiques dans le jeu. C'est-à-dire que Benzema, Vinicius ne bougeaient pas beaucoup, avaient du mal à se démarquer, à créer des solutions pour porteurs de balles. Donc très vite, le Real perdait la balle au profit du PSG qui allait très vite en transition et en circulation de balles. Quand on voit le nombre de passes réalisées par le Real, c'est quand même une équipe très bizarre et avec un plan de jeu assez incompréhensible. Pour revenir à Benzema et aussi à Vinicius Junior, au passage, c'est des joueurs qu'on n'a pas vu du tout du match. Quand on voit les mouvements qu'ils ont fait, quand on voit le fait qu'ils étaient très statiques et qu'ils ne proposaient pas beaucoup de solutions, je me demande vraiment les consignes qu'ils ont eues, parce que le PSG a très bien joué, ça c'est un fait, ça c'est sûr. Mais je pense qu'aussi ils ont été beaucoup aidés par le fait que le Real n'a rien proposé. Au niveau du pressing, c'était très peu intense aussi. Donc je pense qu'un peu de pressing et un peu de mouvement auraient pu les aider à exister tout simplement dans ce match. On a vu à certains moments, notamment en deuxième période, où ils savaient très bien et aller de l'avant et très vite. Donc pour moi, oui, il y avait possibilité pour le Real d'avoir un résultat, pas forcément marquer 20 buts, mais en marquer ne serait-ce qu'un. Je pense qu'il y avait la place s'ils avaient mis un peu plus d'intensité. Pour ce match, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait une analyse à peu près générale des deux équipes, avec les points forts et les points faibles quand il y en avait. Ça a été un match que j'ai beaucoup attendu, j'étais un peu déçue par la manière dont le Real a joué, parce que du coup le match n'était pas forcément extraordinaire. J'ai hâte de voir le match retour et d'en faire le débrief. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de regarder le débrief du match retour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et salut !